Pour soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer dans le lien en bas de la description de la vidéo et me soutenir sur Utip ou Tip. Bon visionnage! Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série promotion bon plan du moment. Et aujourd'hui, on va découvrir les magnifiques promotions d'hiver. Donc, on trouve des PC gamers vraiment pas chers et d'autres promotions intéressantes à découvrir. C'est parti! Et même le Quest qui est passé en promotion. Donc, on commence avec une télé qui est pas en promotion mais qui est pas trop chère à 269€. Donc, pour cela, on a de la 4K. De la 4K avec un écran LED et 55 pouces, donc c'est un prix relativement abordable. La qualité, selon les commentaires et selon les retours, est plutôt correcte. Mais pour ce prix-là, vous n'aurez pas une télé qui fait HDR. Mais pour le prix, ça reste correct pour la personne qui veut une télé 4K avec plutôt un grand écran, mais qui a un budget limité. Donc vous cliquez sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo. On passe au lien suivant. Donc c'est sur Cdiscount, on trouve le processeur i5 à moins de 200€. Donc c'est plutôt correct à ce niveau-là, donc c'est un processeur i5 de 10e génération. Donc pour celui que, ou celle qui est intéressée, vous cliquez sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo. On passe à la promo suivante, là on arrive dans les PC portables. Donc là on retrouve pour 1000€ un PC portable avec un écran de 15,6 pouces en Full HD avec un processeur i7 de 8e génération avec 8Go de RAM. Donc il faudra rajouter encore 8Go de RAM pour jouer de manière correcte, avec un disque dur 1TB HDD et un autre disque dur de 256Go en SSD, avec comme carte graphique une RTX 2060 et 6Go de RAM dans la carte graphique. Donc c'est plutôt correct à ce niveau là donc on va juste regarder un peu plus de détails sur le PC, le taux de rafraîchissement quand même, parce que c'est important de savoir ça. On va cliquer sur descriptif complet et là on va regarder le taux de rafraîchissement, voir à quoi ça correspond. Alors on va regarder, à moins que j'ai passé sur ce PC là, j'arrive pas à trouver le taux de rafraîchissement, mais je pense que ça doit être probablement du 100, enfin du 60 Hz peut-être. Et bon, c'est dommage hein, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à trouver le taux de rafraîchissement, pourtant c'est un truc basique qu'on doit retrouver sur tous les PC. À moins qu'il est en haut, non, il n'est pas en haut, donc j'arrive pas à trouver le taux de rafraîchissement sur ce PC là. Donc pour celui ou celle qui est intéressé par ce PC, je vous invite à cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo. On passe à la promotion suivante. Donc là, ça va être un stabilisateur pour téléphone, donc une perce à selfie, qui est à 85€, 95€, je crois qu'on trouve ça dans les plus de 100€ normalement, donc c'est plutôt une belle promotion pour la personne qui cherche un stabilisateur de selfie pour téléphone, pour prendre des vidéos sans... que dans la vidéo, l'image bouge. Du coup, c'est plutôt correct à ce niveau-là. Donc, on continue avec la promotion suivante. Là, on est encore sur Cdiscount et on va découvrir un autre écran 4K, cette fois-ci avec de l'HDR. Donc là, on est sur du 55 pouces. C'est une télé connectée comparée à l'ancienne. Donc, pour 400€, on a quand même une belle télé avec de la 4K, une télé connectée. Donc de la marque Continental, qui est plutôt correcte à ce niveau-là. Donc pour celui et celle qui est intéressé, vous pouvez cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo. Là, on passe sur la meilleure promotion que j'ai vue pour l'instant sur les PC portables. On est sur le site d'Arty, oui c'est ça. On retrouve un PC gaming 15,6 pouces en Full HD avec un processeur i7, 16Go de RAM et 512Go de SSD, avec comme carte graphique une GeForce RTX 1080 avec 8Go de RAM dans la carte graphique en Max-Q. Donc c'est vraiment une très très belle promotion parce que le PC coûte on va dire 1659€, donc on va dire 1560€. Donc il est à moins 49%, c'est une très très belle promotion. Pour 1560€, vous avez quand même un très très bon PC avec une RTX 2080, même si c'est une Max-Q, c'est quand même une très très bonne carte graphique. Donc à ce prix-là, on ne peut pas chipoter. Du coup, pour ceux et celles qui sont intéressés, vous cliquez sur le lien en bas de la description de la vidéo. Et là, on passe encore sur un PC portable. Mais là, ça va être un PC vraiment pas cher, donc c'est pas vraiment une promo, mais ça peut être intéressant pour la personne qui a un budget limité et qui veut quand même pouvoir jouer à des jeux PC de manière plutôt modeste, on va dire. Donc c'est un PC portable Asus. On retrouve un Ryzen 4600H, 120Hz avec 8Go de RAM dans le PC. Il faudra rajouter 6Go, encore 8Go de RAM si vous voulez jouer à peu près tous les jeux, avec une GTX 1660 Ti avec 6Go de RAM dans la carte graphique et 512Go en SSD avec Windows 10. Donc c'est plutôt correct pour le prix, mais bon, on peut quand même trouver moins cher, je trouve. On passe à la promo suivante. Donc là, on va trouver un SSD interne de 500Go à 50€. Donc c'est plutôt correct. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés, vous cliquez sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo. On passe à la promo suivante.
Là, on est sur une télé chez Darty qui est à 799 €. Donc, pour ce prix-là, on peut voir les caractéristiques de cette télé, caractéristiques techniques. Je vous laisse regarder vite fait, donc c'est plutôt correct. Pour cette télé-là, on a quand même de beaux caractéristiques. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo pour voir cette télé qui était à 999 €. Mais je trouve que cette télé-là, elle est souvent en promotion. Et là, on trouve une magnifique promo. Et oui, sur le casque de réalité virtuelle Oculus Quest, parce qu'il est passé à 337 €. Donc, c'est plutôt une bonne promotion. Au lieu de 435 €, je crois, ou dans les 400 €. Donc là, il est au lieu de 549 €, pardon. Donc, c'est vraiment une très, très belle promotion. Donc, pour ceux et celles qui voulaient sortir dans la VR, mais qui ne voulaient pas acheter un casque, on va dire, tout simplement d'occasion, ça peut peut-être valoir le coup, mais à ce prix-là, il faut se dire aussi qu'on a quand même, on a aussi le Quest 2 à ce prix-là. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter le Quest 1, même si on a 128 Go, parce que le Quest 2, c'est à peu près ce prix-là aussi, même si c'est à 164 Go. Après, c'est à vous de voir, mais pour celui qui veut un casque de réalité virtuelle à moins de 350 € avec beaucoup d'espace à l'intérieur du casque pour télécharger des jeux dans le casque, ça peut peut-être être un bon plan. Mais il faut dire aussi que le Quest 2 est dans ces eaux-là, donc peut-être mieux vaut opter pour un casque plus récent avec de meilleures caractéristiques, même si on perd les noirs sont vraiment profonds sur le Quest 2, mais on a meilleur affichage et c'est le casque dernier cri de chez Oculus, ou sinon opter pour ce casque-là qui est plutôt quand même pas mal, avec 128 Go pour 337 €, donc c'est pas cher payé. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés, vous cliquez sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo. On continue. Et là, on va voir les promotions chez Darty. Donc là, ça va être une autre télé à 899 €, qui est plutôt pas mal. Si vous voulez voir les caractéristiques, on peut les découvrir ici. Donc on a de la 4K upscaling, donc on a vraiment beaucoup de choses, Netflix 4K compatible, qui sont ici. Donc je vous laisserai regarder ça pour ceux qui sont intéressés. Vous cliquez sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo pour voir ça plus en détail. Et on termine avec l'avant-dernière promotion, donc c'est un PC gamer Alloware, donc ils sont relativement chers en général ces PC-là, mais là c'est un prix plutôt correct, donc c'est un processeur i7 avec 16 Go de RAM, donc on a un disque dur, on a que 256 Go en SSD, donc il faudra soit changer le disque dur peut-être plus tard, ou en ajouter un autre. Et si on regarde les caractéristiques de cette bête, on retrouve un processeur i7 de 8e génération avec 16 Go de RAM sur le PC, 256 Go en stockage. On peut monter jusqu'à 4,20 GHz, Windows 10 est installé. Et on retrouve comme carte graphique une GeForce RTX 2070. Donc, c'est plutôt correct pour le prix parce que les PC normalement, ces jeux sont vraiment très très chers. Donc, c'est plutôt une bonne promotion. Donc, on passe à la dernière promo. Et c'est encore une télé. Donc là, c'est une télé LG sur le site ubaldi.com à 890 €. Donc, a quand même de belles caractéristiques. Vous pouvez la regarder ici. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo pour voir cette télé plus en détail. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo de promotion d'hiver. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo-là. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos de promotion high-tech. A plus la team. Pour retrouver d'autres bons plans, promotions, etc., cliquez sur les produits du numérique. Après, vous êtes abonné, bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist. Et cliquez sur la playlist, bon plan, promotion, etc. Bien sûr, pour l'instant, cette playlist compte que 3 vidéos, mais cette playlist sera remise à jour régulièrement, dans la mesure du possible. A plus la team!